Vous envisagez une aide à domicile ? Une aide à domicile intervient auprès d'une personne dépendante ou âgée qui ne peut plus se prendre en charge seule pour qu'elle puisse continuer à vivre chez elle. Les prestations concernent des actes de la vie quotidienne. S'alimenter, comme les courses, la préparation et la prise des repas. Se laver, s'habiller, se déplacer avec une aide au lever et au coucher. Et communiquer, parler, entendre et recevoir des visites. Le recrutement d'une aide à domicile peut se faire de deux façons. Par un service prestataire, l'aide à domicile est salariée d'une entreprise ou d'une association, la personne dépendante paie le prestataire. Par un service mandataire, l'aide à domicile est salariée de la personne dépendante qui devient particulier employeur. Le mandataire gère les démarches administratives. Renseignez-vous auprès de votre médecin ou d'un centre communal d'action sociale. Maintenant, combien ça coûte ? Pour une aide à domicile, comptez environ 15 à 20 euros de l'heure. Le prix varie selon le type de prestation, la région, les horaires, nuit ou jour, semaine ou week-end. Il est possible de payer en chèque emploi service universel, CESU, qui simplifie aussi les démarches déclaratives si vous êtes particulier employeur. Il existe différentes aides financières pour une aide à domicile comme, sous certaines conditions, l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, un crédit d'impôt, une réduction de cotisations sociales, des aides des caisses de retraite et des complémentaires santé. Une aide à domicile permet d'accompagner une personne dépendante dans ses gestes du quotidien. Pour en savoir plus sur l'aide à domicile, retrouvez toutes les infos sur oureka.fr.